Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une petite chose. Alors j'ai reçu un SMS, bien sûr, un petit SMS très intéressant qui est le comptable de Céline Pachon. Comptable mytho, bien sûr, hein. Attention, je précise bien. Bon alors, je vais aller sur mon message. Donc, voilà. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et donc, ce petit faux comptable, bah, je vais vous le lire un peu, si vous avez lu, tant mieux. Alors, moi j'ai dit, bonjour, le chèque que vous avez envoyé a été analysé par mes services bancaires qui analysent votre chèque. Vous êtes situé où? Vous êtes situé où? Je pose à la fin une question parce que ça m'intéresse. Et donc, pour les coordonnées, hein, on n'a pas besoin. Hein. Comme je vous ai dit, à la fin, à la fin, à la fin. Là, au début, bah, bonjour, merci de consulter blabla votre boîte. Ça, on s'en fout complètement. Moi, j'ai dit. Listing vidéo, chat, application, blablabla. Bon, ça, c'est une erreur de ma part. Bref, et en réalité, c'est un faux comptable, comme je vous ai expliqué sur la précédente vidéo. Et donc, voilà, tout simplement, qui n'est pas normal. Qui n'est pas normal. Voilà, qui n'est pas normal, parce qu'en réalité, ce n'est pas un comptable, c'est un escroc. Qui un rapport de ce chèque-là. Donc, alors, je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui sont vraiment, on va dire, bêtes et stupides, hein, on peut dire ça, bêtes et stupides. Regardez bien. Voilà la signature du chèque. C'est un chèque déjà signé, vous voyez. Mais qui m'étonne, c'est comment on peut avoir la signature d'une personne importante, comme ça, parce qu'ils ont un sacré culot, ces bandes de voileurs. Voilà, et ça, c'est pas un chèque que je vais encaisser du tout. Donc là, je précise bien que le chèque, il est, vous voyez. Vous voyez, il n'est pas signé, il n'est pas daté derrière. Parce que pour le déposer, il faut faire ça. Alors, je le considère qu'il en analyse. Bah, bien sûr qu'il en analyse parce que j'étais à la banque qui est ici, qui est la mienne aussi. Voilà. Banque BCP. Voilà. Et là, je vous présente l'adresse. Du système bancaire, l'adresse des machins chouettes. Voilà. Alors, et autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a une adresse derrière? Donc, si j'ai envie de faire retour du chèque, ben, je peux pas. Mais bon, il n'y a que mon adresse. Donc, il veut dire que c'est pas valable. Donc, même si j'ai accepté le chèque, c'est pour la preuve que c'est pour leur faute de leur bien. Bon, tout simplement. Voilà, moi je montre ça. C'est l'escroquerie totale, et vraiment une grosse escroquerie. Et les gens ne réfléchissent pas que l'escroquerie, elle est là. Tout simplement. Alors là, on touche à des serveurs professionnels, des serveurs amateurs, et tout. On touche même des particuliers, etc. Alors,
tout simplement, voilà. Donc aujourd'hui, Nono n'est pas avec moi. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas avec moi. Donc, il n'est pas avec moi aujourd'hui parce que je suis en train de m'occuper d'une préparation importante, hein, voilà, tout simplement, et Nono aussi, voilà. Et bon, bref, voilà, tout simplement ce que je peux vous dire. Et donc, voilà. Donc, je vous remercie à vous tous. Et surtout à certains que j'ai bloqués, parce que je bloque maintenant les personnes pour éviter d'avoir des drôles de commentaires un peu nuls. Donc voilà, j'en ai bloqué deux, j'en ai arrêté, ça va être supprimé, bloqué, c'est un peu autant. Bref, voilà. Donc je vous le dis, à plus.